Comment calmer ses nerfs? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Alex Cormont, votre coach en épanouissement personnel depuis 2007. Et dans cette vidéo, je tenais absolument à répondre à une question qui m'arrive fréquemment. Alex, comment gérer sa colère? Comment calmer ses nerfs? Je n'arrive pas à me contrôler. Si vous vous arrivez à cette situation, sachez que c'est perdu d'avance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas contrôler ses nerfs ou son excès de colère. Quand on a les émotions qui sont remontées à la surface, vous allez dire n'importe quoi. Vous n'allez plus vous contrôler. Vous allez avoir des gestes que vous allez regretter une minute plus tard. Le problème, c'est n'est pas d'apprendre à calmer ses nerfs ou à contrôler ses émotions. Le problème, c'est qu'il faut en amont travailler. D'accord Et pour ça, j'ai une image très simple. On va imaginer un réservoir d'émotions ici. OK Ça, c'est votre réservoir émotionnel. Plus vous avez des émotions, plus vous paniquez et moins vous contrôlez vos nerfs. OK Plus vous diminuez vos émotions et plus vous vous sentez mieux. Donc aujourd'hui, ce que je suis en train de vous dire, c'est que pour bien calmer ces nerfs, pour être capable de ne pas être trop impulsif ou impulsive, l'objectif que vous avez, c'est de travailler sur vos émotions au quotidien. Ça fait sens Si vous arrivez au quotidien à diminuer cette jauge des émotions, alors vous aurez la capacité de calmer vos nerfs, de contrôler tout ce qui se passe en vous, toute la colère, toute la frustration, toute l'amertume. Il n'y aura plus aucune impulsivité, rien nada walou. Pourquoi Parce que vous aurez pris soin de diminuer ces émotions négatives. Alors quels sont les moyens aujourd'hui que vous avez à disposition Premièrement, le sport. On sait que quand on va faire du sport, quand on transpire, quand on va jusqu'à épuisement, on libère des toxines, on libère de la frustration, on libère ces émotions négatives. Donc, si vous ne faites pas de sport, bah forcément, vous aurez du mal à contrôler vos nerfs. Deuxième possibilité, yoga, méditation. Mmh, on travaille sur sa respiration également. Ce sont des exercices qui vont vous permettre d'être beaucoup plus zen au quotidien. Et si vous êtes plus zen, bah forcément, le degré d'impulsivité pour contrôler ses nerfs, eh bah, il sera plus long. Ça signifie quoi Si vous êtes zen, pour vous mettre en colère, il va falloir que vous passiez par un stade normal, petite colère, grande colère. Alors que si vous êtes au stade normal, eh bah, vous allez devoir aller à petite et grande colère beaucoup plus rapidement. Donc, prenez le mode de vie zen. On est au quotidien calme. Donc, pour contrôler ses nerfs, ce n'est pas quand vous avez une crise, c'est en amont. Yoga, méditation, respiration, sport. Déjà commencez par ces aspects-là. Une fois que vous l'avez bien réalisé, que vous vous challengez, que vous êtes vraiment au top à ce niveau-là, je vous ferai une petite vidéo sur comment contrôler la colère et l'impulsivité au quotidien avec des techniques avancées. Mais déjà dites-moi dans les commentaires comment vous allez intégrer ces petites notions dans votre quotidien. Comment vous allez faire pour ne pas contrôler vos nerfs quand c'est trop tard, mais au contraire pour les contrôler au départ, aujourd'hui, maintenant. Je vous dis à très vite, les amis, pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Vous les recevrez toutes mes vidéos dans votre boîte email. Je vous dis à très bientôt, les amis. Ciao, ciao.